Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Là, je viens avec une vidéo pour vous présenter un glitch solo de duplication très facile à faire sans timing, donc il sera faisable pour tout le monde. Il vous suffira d'avoir une Deluxo, un hélicoptère Buzard, un bureau de PDG et un club de motards avec un complexe. Une fois que vous avez tout ça, c'est nickel. Vous avez juste à suivre la manip que je vais vous montrer et vous pourrez vous faire vos duplications easy. Donc je vous conseille des voitures lowrider, hein, sinon vous ne pourrez pas les vendre. Donc faites une Eligi ou une Sultane, c'est ce qui rapportera le plus parce qu'il y a des transformations dessus. Donc en premier, vous vous mettez en PDG, vous demandez un Buzard et vous le placez comme moi à côté du rond. Ensuite, vous allez prendre la Deluxo et vous allez aller sur le rond faire deux fois PS. Ça, c'est comme le glitch de don de véhicule. C'est très facile. Après, vous mettez en lévitation, vous traversez la dalle, vous n'allez pas trop vite, sinon le message ne va pas être pris en compte. Et une fois que vous avez le message, vous comptez jusqu'à 5. Ça veut dire que le véhicule, il doit dépasser la dalle. Une fois que vous avez fait 5, ce message-là, vous allez l'accepter. Vous allez mettre OK et revenir dans le centre d'opération. Dans le complexe, pardon. Une fois que vous serez dans le complexe, il vous faudra pas switcher les véhicules. Donc vous allez refuser le message d'échange de véhicules. Les gars, je compte sur vous. Mettez un petit pouce, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Un petit peu de soutien, ça fait plaisir, les gars. Donc vous savez qu'ici vous aurez toutes les actualités des glitches sur GTA 5 Online. Donc ce message-là, on va le refuser. On va pas faire d'échange de véhicules. On va faire rond X. Et ensuite, on va se diriger à la sortie du complexe. Donc là, je vais faire X et spammer triangle. Donc là, j'appuie plein de fois triangle jusqu'à temps que j'entends l'hélicoptère démarrer. Donc s'il faut monter un peu le son de votre télé, vous allez entendre l'hélicoptère démarrer et là ça va être bon. Vous allez accepter ce message. Vous allez faire OK, X. Donc ce glitch, il va marcher pour tout le monde. Xbox, PS4. Pour Xbox, au tout début, quand vous êtes avec la Deluxo, il vous faudra faire AA. Comme nous on fait PS, faites AA. Donc là, je sors de mon hélicoptère, il va falloir que je me suicide. N'oubliez pas cette étape, sinon ça ne marchera pas. Donc vous vous suicidez pour vous débugger. Ensuite, les gars, il va vous falloir commander une Eligi RH8 ou une Sultane. Ou après, les gars, vous pouvez prendre Deluxo, vous pouvez prendre ce que vous voulez si vous avez besoin des véhicules. Si vous voulez faire de l'argent, vous prenez une Eligi RH8 et vous allez la mettre devant cette éolienne. Vous allez bloquer déjà la porte de droite avec. Donc surtout, n'oubliez pas, une fois que vous avez fini vos duplications, il va vous falloir ou changer de personnage ou fermer l'application pour que vos duplications soient sauvegardées est valide. Ne sortez pas avec les véhicules si vous n'avez pas fait ça. Encore un gros merci à tous vos soutiens que vous me faites en message dans les vidéos. Vous êtes génial les gars. C'est un plaisir de vous sortir des glitches. Donc là, celui-là, je vous le reposte parce qu'il est peut-être pas assez visible pour ceux qui n'ont pas d'argent. Et il vaut mieux deux fois qu'une. Donc là, je commande ma Eligi Custom Rétro. Et après, il va me falloir utiliser le club de motards et aller voler une voiture de PNJ. Donc, si vous trouvez un coin entre deux poubelles où vous pourrez bloquer les deux portières, ça sera parfait. Vous n'êtes pas obligatoirement obligé de prendre une voiture de PNJ. Moi, je fais ça juste à côté de mon complexe. Je vous conseille,
pour pas faire disparaître la voiture de PNJ, de placer d'abord la RH8 comme ça. Ensuite, vous allez chercher une voiture de PNJ et votre Illigui ne se déplacera pas. Parce que ça m'est arrivé en faisant des tests que la voiture de PNJ disparaisse rapidement. Il suffit juste de tourner la tête, bouf, il n'y a plus rien. Donc n'hésitez pas à aller voir les glitches A2 aussi, duplication, don de véhicule, très facile à faire les gars, profitez-en. C'est pas patché, on verra quand ça va être patché, ça risque de pas tarder. Donc filez-vous des véhicules. Moi j'ai réussi à rentrer le Buzard, j'ai réussi à rentrer le laser, les chars, les véhicules spéciaux, très facilement. Donc déjà, rien qu'avec cette méthode-là, j'aurais pu me faire un don de véhicule. Donc au lieu de prendre la voiture de PNJ, tout ça, je me suicide et on m'amène un avion ou je rentre avec l'hélicoptère. Donc vous rentrez à pied en fait. Vous montez dans le véhicule qu'on veut vous donner spécial. Vous descendez du véhicule après s'être suicidé. Donc vous voyez là, quand je suis bien bloqué, je me téléporte dans le véhicule. Donc là c'est nickel, je me mets en club de motards. Une fois que je serai dans ce club de motards, je vais faire renvoyer véhicule. Mais d'abord, je vais faire triangle X. Triangle, renvoyer véhicule. Si vous faites ça assez rapidement, il n'y a pas de timing, les gars. Donc vous serez téléporté dans le véhicule. Mais en même temps, vous avez fait une demande de renvoi de ce véhicule-là. Donc il va retourner à sa place originale. Et vous, celle-là, ça sera une duplication. Donc par contre, vos véhicules là que vous allez faire, mettez une plaque Ifrit. Sinon, les plaques seront sales. Trouvez un véhicule qui a des plaques déjà custom. Parce que le véhicule, c'est un clone. Donc il aura toujours les mêmes plaques. Donc là, vous voyez, hop, triangle X. Je peux vérifier, je rouvre mon pavé tactile et vous verrez que renvoyer véhicule, je peux encore le cliquer. Il est bugué. Donc là, en gros, le glitch, il est prêt, il est fini. J'ai juste à rentrer mon véhicule dans mon complexe et le switcher avec un Fadjo ou quoi qui disparaîtra. Mais dites-vous que les plaques seront sales si vous avez des plaques non custom. Donc faites gaffe. Il vaut mieux, si vous n'avez pas de plaque custom, de le faire à deux. Vous pourrez faire 7 voitures d'affilée, tout ça. Très facile à faire, le timing. Donc là, je rentre avec mon véhicule, ma duplication. Vous voyez, j'ai rentré tout ça. Donc, je vous fais une petite visite. Donc, j'ai le laser. J'ai le hunter. J'ai rentré le char. Tout ça en don de véhicule, les gars. Et voilà. Donc les gars, je vous conseille de l'utiliser ce glitch au maximum. Profitez-en bien les potos. Là, je vais vous montrer comme quoi le véhicule, il est toujours dans mon garage et il est dans le complexe. Les potos, des glitches comme ça, ils sont très rares. Profitez-en, lâchez rien. Je fais une grosse bise, je vous dis à bientôt. Ciao les potos.